Salut à tous. Je vais parler dans cette session de l'assemblage et j'ai choisi de vous présenter la démarche nécessaire pour vérifier l'assemblage du pied-poteau pour notre bâtiment. Bien sûr, pour traiter le cas le plus favorable, on va sélectionner un poteau intermédiaire ou bien un portique intermédiaire. Généralement, ce sont les cas les plus défavorables. Je vais aussi vous présenter dans une prochaine vidéo la démarche nécessaire pour effectuer le dimensionnement et le calcul phareage de la semelle, choisie dans notre cas ici comme étant une semelle isolée et donc une fondation superficielle. Et tout ça, bien sûr, dépend de l'étude géotechnique dans le cadre d'un projet réel. Il faut faire attention parce que plusieurs informations peuvent être tirées de l'étude géotechnique. Comme je vous ai dit, dans la prochaine session, je vais vous montrer les démarches pour l'étude de la fondation. On va s'intéresser dans cette vidéo-là, la démarche nécessaire pour vérifier le pied-poteau. Je reviens ici, on a choisi comme appui articulation, une articulation. Et vous savez que dans l'RDM, vous avez trois types d'appuis. Ou bien appui simple, bien une articulation, ou bien un encastrement. Dans l'encastrement, tous les mouvements sont bloqués. Et donc vous avez comme réaction aux appuis un moment d'encastrement, un effort, une réaction verticale et une réaction horizontale. C'est important et c'est un avantage de choisir un encastrement pour un ingénieur parce qu'elle va minimiser la section des profilés pour les poteaux. La question pourquoi? Parce que le coefficient de flambement elle va diminuer. Et si le coefficient de flambement elle va diminuer, dans ce cas-là, la longueur de flambement elle va diminuer et le poteau il est stable vis-à-vis le flambement et j'obtiens une section moins importante. Mais quand je peux effectuer un encastrement pour le pied-poteau dans le cas où vous avez un bon sol et le sol il est capable de supporter le moment d'encastrement. Dans le cas contraire, vous pouvez avoir une articulation parce que vous avez comme effort généré par la structure transmise vers la fondation uniquement les réactions horizontales et verticales. Le cas d'un appui simple à rouleau, dans le cas où vous avez besoin de libérer le déplacement, dans le cas où vous avez des efforts horizontaux importants. Pour la fondation ainsi que le pied-poteau, vous avez deux cas. Un cas traité pour les portiques intermédiaires et un cas traité pour les portiques pignons parce que les portiques pignons sont moins sollicités. Et bien sûr, kif-kif, pour la fondation, c'est le même raisonnement. Donc vous avez deux types de semelles. Des semelles pour les portiques pignons et deux semelles pour les portiques pignons et les portiques intermédiaires. Pour commencer maintenant l'assemblage, je vais sélectionner le poteau. Et le nœud du poteau. Je vais sélectionner le poteau et le nœud du poteau. Et je vais cliquer sur vérifier assemblage acier. Avant de commencer, bien sûr, le travail, on doit vérifier la norme de conception. Je vais aller à outils, préférences de la tâche. La norme utilisée pour le dimensionnement, c'est le code 3. Et j'ai dit que 1993-1, c'est le paragraphe dédié pour les bâtiments en charpente métallique. Pour l'assemblage, je vais sélectionner la même norme, toujours selon le code 3. Puisqu'il s'agit bien d'un poteau articulé, dans ce cas-là, je vais cliquer sur définir pied poteau articulé. Regardez ici un IPE 300. Par contre, dans notre cas, notre poteau, il s'agit bien d'un IPE 360. Donc, je dois cliquer sur une fenêtre pour que le robot détecte automatiquement l'assemblage considéré. Je vais cliquer sur Créer un nouvel assemblage de la structure. Et donc, elle va détecter maintenant automatiquement, regardez ici, elle ne va rien afficher comme caractéristique géométrique du poteau parce que le poteau elle a été défini automatiquement. OK. Il s'agit bien d'un poteau articulé, sans ou bien avec les douceurs. On va voir après.
On va voir. Après, je vais cliquer par exemple sur réduisseur simple pour le moment. Ça dépend du ratio, ça dépend du résultat du calcul. OK. Pour les platines, je vais fixer ici les dimensions et les caractéristiques géométriques de la platine. D'abord, pour bien modifier ces paramètres-là, je vais afficher ici le vue de l'assemblage, finalement, pour lorsque je vais créer des modifications, elles seront automatiquement modifiées ici. Vous avez un poteau 300, IPO 360, donc sa hauteur égale 360, 360 mm. Je vais choisir comme largeur de platine ici 400. C'est largement insuffisant. Je vais prendre 700 et je vais prendre 300 comme largeur de la platine et je vais garder 25 mm comme épaisseur de la platine. Et je clique sur appliquer. Bien sûr, les modifications, regardez ici, sont en train de modifier. Puisque j'ai créé des réducteurs simples, dans ce cas-là, regardez, je dois augmenter encore une fois la largeur de platine. OK. Pour les raidisseurs, donc vous avez ici longueur, vous avez la hauteur et vous avez l'épaisseur. OK. Bien sûr, par exemple, si je vais ici diminuer la longueur de la platine, je dois aussi revenir ici pour modifier hein, la longueur de des réducteurs. C'est bon. OK. Par la suite, je passe à l'ancrage, des tiges d'ancrage. Je vais commencer par des boulons de diamètre 16 et de classe 4-6. Des boulons ordinaires, bien sûr. Et je vais prendre le cas le plus défavorable. Ce sont pour le plan du cisaillement, elle va traverser la partie filetée. Bien sûr, c'est le cas le plus favorable. Pourquoi? Parce que la section de la partie filetée, elle est moins importante que la partie non filetée. OK? Je vais augmenter la distance entre les... Bon, ici, il faut effectuer un calcul pour déterminer la distance exacte entre les tiges d'ancrage. Mais ici, je vais modifier cette distance-là et je vais taper ici 150 mm. Bien sûr, des formules qui ont été bien définies dans l'Eurocode pour bien fixer cette distance-là. Pour le bêche, bien sûr, je vais mettre ici bêche par défaut. Ça sert à quoi? Si l'effort tranchant il est important dans le poteau, cette bêche-là, elle va stabiliser notre poteau. Pour les soudures, bon, je vais mettre les soudures pour la platine d'épaisseur 5 mm. Je vais garder 4 mm comme épaisseur constant uniforme pour l'assemblage considéré. Pour la fondation, bien sûr, je vous ai dit que dans la formation, j'ai déjà préparé une vidéo qui porte sur le dimensionnement de la fondation. Et j'ai pris des dimensions de la platine quelconque, juste pour vous montrer la démarche. Et maintenant, j'ai commencé comment dirais-je, l'assemblage pied poteau. Donc, je vais essayer de taper les valeurs trouvées. OK? Je pense quelque chose comme ça, avec une hauteur égale peut-être 60. 600 mm. OK. C'est tout, hein? C'est tout. Après, je vais lancer le calcul, bien sûr, pour vérifier, hein, pour vérifier l'assemblage considéré. Et pour la sélection des charges, bien sûr, je vais sélectionner les cas simples. Parce que ici, elle va générer, selon le code de 3, les combinaisons de charges. OK? Et je clique sur calculer.
Regardez ici, c'est très bien déjà. Voici la note de calcul qui résume toutes les vérifications, toutes les conditions de vérification, quelles que soient de tige d'ancrage, de la platine, de l'assemblage soudé, de la soudure, ainsi de suite. Et on a obtenu ici un ratio égal à 0,84. Donc c'est un très bon ratio pour cet assemblage-là. Bien sûr, regardez ici, puisque j'ai mis 600 comme hauteur de la fondation, bon, j'ai oublié, réellement j'ai oublié les dimensions trouvées dans l'étude de la fondation, mais juste le plus important ici, c'est de vous montrer la démarche. Donc regardez, la tige d'ancrage ici, elle est plus importante, la longueur est plus importante que la hauteur de la semelle, donc je dois modifier ça et je reviens à l'ancrage. Et pour la longueur L2, je vais prendre bien sûr 500 mm, la longueur moins importante que la hauteur de la semelle. Et je lance le calcul de nouveau. Regardez ici, vous avez les efforts. Et d'où viennent ces efforts-là? Ils sont importés du modèle 3D robot qui est déjà effectué. Je lance le calcul encore une fois. Donc, elle n'a pas d'influence sur le résultat. Donc, toujours, elle est très acceptable. Et vous avez maintenant un schéma qui explique la vue en 3D pour l'assemblage traité. Il s'agit bien d'un assemblage articulé. Bien sûr, vous pouvez je peux modifier même le diamètre de l'assemblage. Et je peux toujours effectuer une vérification. Regardez ici, j'ai diminué le diamètre des tiges d'ancrage. Le ratio, il dépasse le 1, donc c'est pas non vérifié, c'est pas vérifié. Donc je reviens à déjà un bon choix. Le M, c'est déjà le choix qu'on a effectué. Il s'agit bien d'un bon choix. Je peux garder ce résultat-là comme étant un résultat final. Et bien sûr, vous pouvez enregistrer cette note de calcul-là pour amener ça pour préparer et pour l'utiliser pour préparer la note de calcul complète pour votre projet. Je vous remercie.